Marie-Madeleine, avez-vous bien songé que vous allez abandonner toutes les joies et tous les biens de cette terre? Oui, j'y ai songé. Et savez-vous à quoi vous engagent les vœux que vous demandez à prononcer? Je le sais. Consentez-vous à faire l'offrande de votre chevelure, symbole de votre présence dans notre siècle? J'y consens. J'entends bien, mon père. Vous entendez bien? Il faut agir tout de suite. Mais ce n'est pas à moi, humble des servants. Alors laissez-moi aller. Je le veux bien, mais au moins passez un surplis. Va pour le surplis. Il convient d'arrêter la cérémonie. Monseigneur. C'est un ordre du Saint-Père lui-même, un ordre obtenu par le cardinal de Richelieu. L'éclat d'une pareille fête me réjouit les yeux et me comble le cœur. Nous sommes heureuses, Votre Grâce, que cette cour soit à votre goût. Nous sommes heureux, Monsieur l'Ambassadeur, de fêter dignement un événement scellant l'amitié entre votre maître et nous. C'est volontiers que j'accorde la main de Madame Henriette, ma sœur, à mon bon cousin Charles Ier. C'est de bonne politique. Nous avions besoin de ce rapprochement pour conjurer la menace des Habsbourg. Bah, de grâce. La reine-mère se scandalise de votre attitude à l'égard de l'Espagne et de l'Empire. Cet après-midi encore, elle déclarait votre attitude incompréhensible. C'est dommage qu'elle ne comprenne pas mieux. Elle est pourtant mon meilleur appui auprès du roi. Il est tellement soupçonneux, tellement jaloux de son autorité. Alors ne la quittez pas. Soyez très prévenant envers elle. Plus de regrets? On regrette toujours le service de Dieu. En servant votre oncle, vous ne cessez pas de servir Dieu. La vie contemplative m'attirait. Puis, la perte de mon époux. Vous n'êtes plus tout à fait veuve. Vous n'êtes pas faite pour le couvent. Bon, je ne suis pas faite non plus pour servir en tant que dame d'honneur une reine-mère de plus en plus atrabilaire. Ah, c'est un éminent poste d'observation. La nièce de Monsieur de Richelieu fait décidément preuve d'un goût prononcé pour les cardinaux. Votre Majesté m'accordera-t-elle cette contredanse, si le roi le permet? Je permets, monsieur, par égard pour votre maître. Change un peu la reine de l'amorosité de son maître. Cet étrange diplomate va perdre ses choses. Se borne à perdre les ornements de son pourpoint. Des boutons qui m'ont tout l'air d'être des perles. Je vous en prie, faites-moi le plaisir de les garder. C'est un petit cadeau. La raison et la politique conduiront Votre Majesté à donner des ordres pour empêcher toute nouvelle réunion entre la reine et Monsieur de Bouquincamp. Vous ne possédez point de telles perles en France, sauf une.
votre reine. Monsieur, on nous avait annoncé votre venue. Oui, mesdames. Pour vous faire part des dispositions qu'il nous a plu de prendre pour accompagner notre sœur sur la route d'Angleterre. Nous la quitterons à Amiens. Je comprends. Nous vous demandons, ma mère, de bien vouloir donner place à notre épouse dans votre carrosse et d'emprunter la route de Compiègne. Madame Henriette, ma sœur, prendra avec l'ambassadeur d'Angleterre le chemin direct. Monsieur, je ne manquerai pas, comme à l'accoutumée, de me conformer à vos désirs. C'est bien. Et ainsi, nous voici en repos devant ces débordements auxquels nous n'entendons rien. Une fois arrivés à Amiens, nous pourrons nous garantir par les barrières de l'étiquette. Madame, puisque le hasard me permet de vous rencontrer... Je ne crois pas beaucoup à ces hasards, Mila. Je me demandais pourquoi on me voulait faire visiter ce jardin. Je vous en supplie. Prêtez l'oreille aux propos d'un misérable. Mais que me comptez-vous? Fermeriez-vous la bouche au plus soumis de vos adorateurs? Votre grâce oublierait-elle que... Que votre majesté est reine de France? Oh non. Non, ce n'est pas cela. Oublieriez-vous plus simplement que je suis mariée? Je vous en conjure. Avez-vous donc tant à vous louer des procédés du roi et de son âme rouge? Si je ne me devais à ma condition et à mon rang, peut-être votre passion ne me laisserait-elle pas indifférente. Si une honnête femme pouvait aimer un autre homme que son époux, vous seriez l'homme qui pourrait me plaire. Je vous en supplie. Je ne trouve plus le sommeil depuis que vous m'êtes apparue. Plus rien ne compte pour moi. Oh, madame... On avait devant moi vanté la réserve britannique. A réservé devant vous, mais Paris fut-il réservé devant Hélène? Monsieur, finissez, finissez. Madame. Finissez, madame, où j'appelle. Par pitié. À moi. À moi, ne me laissez plus seule. Ne me laissez plus seule. Plus jamais. Monsieur l'ambassadeur extraordinaire, nous conserverons de votre visite le souvenir d'un grand ouvrage en faveur de l'amitié. Il nous faudra continuer, renforcer ces liens. Et pour ce faire, je me propose de revenir au plus tôt dans votre cour si charmante. J'éprouverai le plus grand plaisir à vous revoir si je n'étais amené à considérer, comme mon roi, que vos hautes charges, vos préoccupations de principal ministre, vous retiendront impérieusement à Londres. Mais non, n'allez pas croire qu'il m'est impossible de m'absenter. Je ne crois pas, Milord, j'en suis sûr. Me faites-vous entendre que vous ne voulez pas de moi? Eh bien, si je ne puis revenir afin de travailler pour la paix, je pourrais le faire pour mettre fin à une guerre. Une guerre? Vous m'y contraignez. Il va donc me falloir adopter les moyens naturels pour que me soient rouvertes les portes du Louvre. Milord. Antoine, pour Cléopâtre, mit le feu au monde. Eh bien, je me sens tout à fait Antoine en ce moment. Et vous savez très bien qui est Cléopâtre. À vous revoir, monsieur le cardinal. Oui, cela convient. À l'armement prêt. Pourquoi ne pas rajouter quelques couleuvrines en proue? Ce sera lourd, éminence. Voyez à fondre des pièces plus légères. Tout cela parce que deux personnes violent l'histoire, introduisent la passion dans une combinaison exclusivement raisonnable. Pourquoi deux personnes? Parce que la reine Anne n'a pas vraiment découragé le fou furieux. Avec vous, les femmes sont toujours coupables. Vous, jamais. Pour mener une action militaire, il faudra tout de même à monsieur de Boucquincan un motif plus sérieux que la conquête de la reine Anne. Il est tout trouvé. Le développement de notre commerce de mer inquiète le roi d'Angleterre. Il rêve de retrouver un port sur nos côtes. Un port que les Anglais occuperaient. Un port qui serait susceptible de se donner à eux. C'est pour cela que Boucquincan regarde du côté de la Rochelle. Lors de la dernière paix, le roi et ses ministres ont admis, ils ne pouvaient faire autrement, que nous demeurions le premier port de l'océan. Cette paix est-elle respectée? Non, deux fois non. Le cardinal de Richelieu accomplit de terrifiants efforts pour développer d'autres ports. Le Fort Louis, construit par les troupes royales lors du précédent siège pour surveiller et au besoin pilonner notre ville, n'a pas été détruit
en dépit de la promesse royale. C'est une double violation du traité de Montpellier. Nous sommes menacés dans nos libertés, et d'abord, dans la principale d'entre elles, la liberté de pratiquer notre sainte religion réformée. Je remercie l'amiral Guiton. Je retiens l'argument du fort Louis. Mais en matière de trafic, devons-nous tant nous inquiéter? Le cardinal nous a fait tenir, tout comme aux gens de Saint-Malo, des assurances particulières. Notre cité participera au progrès général du négoce et nous bénéficierons d'une aide. Accepter une aide, c'est mettre le loup dans la bergerie. Le roi de France n'est pas un loup pour ces sujets. Alors qu'il fasse détruire le fort Louis. Il n'entre ni dans les intentions du roi, ni dans celles du cardinal de nous nuire. Mais nous sommes à la merci du zèle, de la haine ou de la fantaisie d'un ministre ou d'un homme de guerre. C'est un risque. Mais nous ne saurions prendre l'initiative. Monsieur le pasteur. Je dirais, comme monsieur l'amiral Guiton, il faut s'armer. Et comme messire de la leur, il ne faut pas bouger. Messieurs, benedica vos omnipotens Deus. Pater, Filii, Spiritus. Quelle mouche a donc piqué monsieur d'Épernon? Vous connaissez mon père. L'oisiveté l'insupporte. Attaquer en pleine paix le duc de Rohan et ses huguenots. Il ne demandait que ça. Voir. En tout cas, le fait est là. Rohan sait très bien que mon père ne s'est mis en marche en Languedoc que de sa propre initiative. C'est vrai. On n'entre pas dans le détail et je comprends. Le duc d'Épernon est colonel général de l'infanterie française. Qu'importe si son action est une humeur de féodal. Il s'est battu à la tête des troupes du roi. Il a rompu le traité de Montpellier. Résultat, Rohan et les siens ont entraîné La Rochelle dans leur révolte. Qu'attendez-vous? Comment est-ce que j'attends? Comme Boucquincourt, Rohan convoite La Rochelle. Seul le contrôle du port peut lui permettre de recevoir l'appui de l'étranger. Vous savez que tôt ou tard, La Rochelle succombera à la tentation. Vous donnez le temps à nos ennemis de s'armer, de se fortifier. Assemblez prestement des gens de guerre. Attaquez le premier et vous enlèverez la ville. Non, père Joseph. Non, non et non. Détruire la citadelle de la réforme serait une noble entreprise. Je ne vois pas pourquoi vous vous entêtez à dire non. Parce que nous sommes depuis le roi Henri IV les amis des provinces unies de Hollande. Parce que nous avons noué les meilleures relations avec les princes réformés d'Allemagne. Or, nous avons besoin de ces puissances pour assurer l'équilibre de l'Europe. Votre perpétuelle défiance à l'égard de l'Espagne et de l'Empire. Non, madame. Toujours la défiance de l'Espagne et de l'Empire à notre égard. Si nous attaquons La Rochelle, nous compromettons nos alliances. Il ne nous reste qu'une issue, la défensive. Nous le voulons bien. Encore faut-il l'organiser, cette action défensive. Monsieur de Boucquincourt rôde, et s'il faut qu'il soit, il se gardera bien de se porter tout de suite sur La Rochelle. Il investira d'abord la citadelle de Saint-Martin-de-Ré, qui est la clé de la défense. C'est du temps perdu. Non, non, c'est de la bonne stratégie. C'est aussi de la bonne politique. Nombre de Rochelais nous sont loyaux. L'apparition subite des Anglais risquerait de les indisposer. Sire, le cardinal de la Valette pourrait... Non, non, non. Pas la Valette. Monsieur de Thoirat. Thoirat? Votre compagnon de chasse et de jeu? Il ne nous plaît plus de jouer et de chasser avec lui. Mais il saura se montrer assez bonhomme de guerre pour s'opposer aux fureurs de monsieur de Boucquincourt. Sir John Elliot, s'est échiné à réclamer contre moi devant les communes cette redoutable procédure d'empêchement. Mais à dire vrai, il voulait tout bonnement me faire conduire à la tour de Londres. Et pourtant, c'est lui qui pourrit tout au fond de cette forteresse. Notre bon roi Charles n'abandonne jamais ses fidèles serviteurs.
La faveur de notre maître vous est acquise pour toujours. Sans doute. Mais au bon sentiment s'ajoute la logique. Le roi a parfaitement compris mon intention. Pendant 2 siècles, 211 ans exactement, vous m'entendez, 211 ans, Calais a été propriété de l'Angleterre. Et durant ces 2 siècles, jamais nos affaires ne furent meilleures. Notre intérêt exige la possession d'un port sur la côte française. Et c'est pourquoi La Rochelle doit être notre nouveau Calais. Si seulement les très honorables canailles qui se prélassent au Parlement voulaient bien ne plus nous marchander les subsides, nous mettrions sur pied une flotte plus digne de sa gracieuse majesté. Votre grâce, nous disposons tout de même de 90 vaisseaux. 6900 officiers, bas-officiers et soldats. Et de 500 chevaux sans compter les vôtres. Du côté français? Ce pauvre monsieur de Toiras doit posséder environ 200 hommes de pied et 700 chevaux. Bien. Il vous faut comprendre que notre supériorité réside avant tout dans l'artillerie de notre flotte. Tant que nos pièces resteront à portée, nous marquerons l'avantage. Lors du débarquement, il faudra soutenir le feu. Quand nous tiendrons l'île de Ré et sa forteresse, La Rochelle et tous les réformés de France se décideront enfin pour la guerre. Dès ce moment, messieurs, l'océan ne cessera plus jamais d'être anglais. Votre Majesté compte-t-elle donner suite à la requête des Rochelais? Non, nous avons déjà dit non. Nous refusons la démolition du Fort Louis. Sire, la revendication s'appuie sur le traité de Montpellier. Nous ne tolérons pas d'État dans l'État. Et puis, que vos messieurs de La Rochelle accueillent les Anglais s'ils peuvent. Ne nous déplairait pas de croiser le fer avec monsieur de Bouquincamp. Vous ne jouez plus, monsieur? Si, si, nous jouons et vous perdez. Je perds? Vous perdez à l'île de Ré. Monsieur de Bouquincamp ne vient-il pas d'échouer devant monsieur de Toiras? Non, madame, il ne faut rien précipiter. Le père Joseph rentre d'Allemagne. Il vous dira que nos alliés protestants du Nord prendraient mal une offensive sur La Rochelle venant de nous. Ouais, tu sais, Gustave Adolphe en serait fort irrité. C'est pas vrai. La peste l'emporte. Vos princes réformés ne sont finalement que des coupeurs de tête. Supplie votre majesté de me comprendre. Ce n'est pas toujours facile. Alors sachez-le bien. Il faut admettre la réforme à l'extérieur pour l'anéantir politiquement à l'intérieur. J'entends mal. Allons donc. Vous m'entendez fort bien. La politique consiste à savoir choisir. Ce que je veux, c'est la paix chez nous. Je me montre complaisant à l'égard des réformés de l'extérieur pour les empêcher de soutenir leurs congénères à l'intérieur. Pas d'immixtion protestante dans nos affaires. Je suis désolé, votre majesté a perdu. On s'acharne à me faire perdre. Vous êtes espagnole, reine de France, et vous aimez un anglais. Tout doux. Je suis aimée par un anglais. Qui ne vous aimerait? Pour votre beauté et votre solitude. Sachez, monsieur le cardinal, que je m'accommode très bien de cette solitude. Bien, merci. Alors, m'avez-vous trouvé un logis dans l'île? Rien. On veut rien qui soit digne de votre grâce. Non. Que cela peut être fâcheux. Damné pays et pauvre monsieur de Toiras. Eh bien, et sa réponse à notre proposition de lui accorder les honneurs de la guerre? Négative. Mais il tient à ce que vous sachiez qu'au cas où il serait tué, vous hériteriez de son cheval. Oh, le charmant seigneur, quelle belle attention. Son cheval. Si cela venait à se produire, je sais déjà que j'en chérirais plus les crins que les cheveux de ma maîtresse. Non. Je vais lui écrire.
Et en même temps que mon billet, vous lui ferez porter ceci. En filant, c'était du bel ouvrage. C'était du serviteur, monseigneur. Et joliment combattu, mon brave. Bénissez le seigneur d'être gaucher. Prise, ami. Merci, monsieur Soirat, ça trompe la fin. Mais elle est magnifique. Ah, magnifique. Comme ce cher monsieur de Boucacan. Ah, sa grâce doit être bien déçue. Qui est-il ainsi? Je suis au désespoir pour lui. Je voudrais tant que je lui rende la place. Il ferait tout pour que je l'écoute, mais que voulez-vous? Votre affamé n'a pas d'oreille. Mais qui empêchait monsieur de Boucacan d'abandonner le siège pour gagner la Rochelle? Allons donc, il a d'abord besoin d'une victoire pour se faire admettre par les Rochelais. L'arrivée de Madame la douairière de Rouen produit le meilleur effet sur la population. J'ai servi sous son fils dans le Midi, c'est un grand capitaine. Mais qui ne nous aime guère. Il nous traite de loups et de républicains. Mieux vaut dépendre du roi de France que d'un féodal. Nous ne serons plus longtemps en état de choisir nos alliés. Vous, vous n'aurez plus faim pour souper. Ah, à cet âge-là, on a toujours de l'appétit. Monsieur le conseiller Tesserand, la tenue de votre batterie est un modèle. C'est à l'œuvre qu'on la jugera. Prions au Dieu pour que nous n'en venions pas à cette extrémité. Prions Dieu. Car la présence de 10 000 royaux sous nos remparts est interprétée comme une offense. Une offense, oui. Mais que les soldats du roi soient commandés par son oncle d'Angoulême, ça c'est une infamie. Nous demandons la destruction du Fort Neuf. Le roi et le cardinal la refusent. Admettons. On nous envoie une armée d'observation sous prétexte que monsieur de Boucacan est à l'île de Ré. Admettons encore. Mais que l'on choisisse pour chef de cette armée le bâtard de Charles IX. Le fils du roi de la Saint-Barthélemy, là, nous n'admettons plus. Faisons savoir au roi que l'un de ses maréchaux protestants ferait mieux l'affaire. Le fils de l'amiral de Coligny, par exemple. Faites savoir ce que vous voudrez, mais tenez compte de ceci. Ou on fait la guerre, ou on fait la paix. Mais l'on ne saurait se tenir indéfiniment entre deux positions aussi contradictoires. Pardonnez-moi, messieurs. Monsieur le pasteur. Un envoyé de monsieur de Boucacan demande à être entendu par le conseil. J'étais déjà mon fils sous la Rochelle, avec le bon roi Henri Croix. Et croyez-moi, si j'étais de son sang, si j'étais comme monsieur d'Angoulême, bâtard d'un Valois, il y a longtemps que j'aurais commencé la danse. Ça sert à quoi de niaiser ici sans s'activer? Qu'au moins nos gens réaménagent le Fort Louis. Allons prier monsieur d'Angoulême de donner des ordres en conséquence. Nom de Dieu, pardonnez ce blasphème, mais regardez! Le diable m'emporte! Mon père, pas pour un cardinal! Pardonnez ma surprise et ma joie! Enfin, c'est la guerre! Mais ça a été plus fort qu'eux. Quand ils ont aperçu les royaux au travail, mes canonniers ont... Mais ce qui s'est passé, c'est passé! Nous ne pouvons plus que constater l'état de fait. Je propose la résolution suivante. La cité de La Rochelle accepte les offres de monsieur de Boucacan, nourrira les soldats qu'il lui offre et recevra dans son sein quiconque combattra pour le maintien de ses privilèges et de ses libertés. De ce jour, elle battra sa propre monnaie. Toutefois, afin de bien marquer que cet affrontement relève d'une ruse qui n'est point nôtre, je propose de terminer ainsi. La ville de La Rochelle
par la voix de ses conseillers engagés en conscience devant Dieu et devant les hommes, réaffirme solennellement son indéfectible fidélité à la couronne de France. Pas d'objection ? D'objection ? Non, pourquoi ? Pas d'objection. Je nourris d'autant plus de chagrin de cette malencontreuse canonnade que le cardinal publiera dans toute l'Europe que c'est nous qui avons commencé. Mmh. Mon épée ? Le fournisseur a livré la nouvelle ce matin. Ah, ça tient bien aux mains. L'instruction sur la marine doit être expédiée dès ce soir. Il en va de même pour l'organisation du Canada. Lettre au connétable de Castille est un peu roide. Nous avons trop besoin des Espagnols en ce moment. J'ai terminé. Je suis votre très humble et très obéissant serviteur. Non. Je suis de votre excellence le très humble, très obéissant et très attentionné serviteur. Belle comme le jour. Pour vous servir, mon oncle. A-t-on pas oublié les bras de laine de son éminence? Ah non, madame, on en a compté 12. Ah, c'est bon. Les équipages? 32 chevaux, 2 carrosses. Sa majesté elle-même ne possède pas... Taisez-vous, de Bournay. Voilà ce qu'il ne faut jamais dire. Bien, madame. Vous nous feriez disgracier comme un quelconque Concini. Prenez garde aux humeurs de la reine-mère. En l'absence du roi, elle est de nouveau régente. Logiquement, ce serait à la jeune reine d'assumer. Vous n'y pensez pas? Songez-vous à monsieur de Bouquincamp? J'y pense toujours. Il ne pense qu'à cela. Et cette attention constante pour l'ennemi ne nous sera pas forcément inutile. Vous êtes mes yeux. Gardez-les fixés sur les deux reines. Enfin, on nous accordera que nous n'avons point voulu cette guerre. Vraiment ? Depuis qu'elle est, il nous faut vaincre. La guerre sous votre majesté est plus exaltante que les intrigues du dehors et du dedans. La guerre contre les étrangers, oui. Pas la guerre contre nos propres sujets. Le destin seul a voulu cela. Si j'étais cardinal, je dirais la providence. Pour moi, je parle du destin quand le sort nous est contraire et de la providence lorsqu'il nous est favorable. Allez, allez. Du large, l'odeur de la poudre, tout ce qu'aimait mon père, mais il allait vite, lui, et nous usons nos forces. Nous vivons des journées sinistres parce que toujours semblables. Celle de la victoire sera tellement différente. Quand vous retirez la pourpre, vous paraissez plus homme. Pourtant, la carapace est plus épaisse. Que vous savez un grand esprit, mais auriez-vous un cœur? Il ne bat que pour le triomphe de votre majesté. Depuis que le monde est monde, on n'a jamais vu un roi sortir sans son capitaine des gardes. Sous Henri III, Tréville, c'eût été inconcevable. Un homme nous est arrivé de Saint-Martin-de-Ré. Comment cela ? À la nage. Il est parvenu à franchir la croisière anglaise. Qu'il vienne. Lanier ! Sire, éminence, il n'y a plus d'hommes, plus d'armes, plus de vivres. Si dans les 5 jours Saint-Martin-de-Ré n'est pas libéré, monsieur de Toiras devra rendre la place. Allez vous reposer. Sire, permettez que je vous soumette le plan destiné à débloquer l'île de Ré. Allons. Et nous allons
Foutu cardinal. Il fait peut-être couper des têtes, mais il sait s'occuper de nos gosiers. Allez, qu'importe vos gosiers, ce qui compte, ce sont les renforts. Ah, Carolescence, ce sont les renforts. C'est vite dit, monseigneur. Dites-moi, gardez l'habitude de boire entre les repas, hein? Entre les repas? Ben, monseigneur, ça fait bientôt une paire de semaines que j'en ai pas. Vous la tête? Et votre faction? C'est plus la peine, mon général. Oui, parce que notre armée de secours a rompu la ligne des Anglais. Oui. Ils sont quand même assez vicieux pour grimper à nos murs. Allez reprendre votre guet, ou je vous coupe le col. Comme un poulet. Viens, avec ceci, pour le faire passer. Ah, monseigneur, à la santé du roi et du cardinal, vous viderez bien un gobelet avec nous. Mais comment un gobelet sans vous plusieurs? Ah, contre nos bastions, vos canons ne seront plus de l'air. Les verres vous libéreront en nous portant. Il n'est pas de plus grand péché que le désespoir. Oui, mes frères, certains d'entre vous ont l'âme abattue par la nouvelle situation de notre ville, qu'ils le sachent bien. La Jérusalem céleste est éternelle. Que vos corps continuent de s'adonner à cette juste guerre. Que vos âmes conservent la paix. Amen. Amen. Il est temps d'aller jouer. Monsieur le pasteur, où sont-ils partis, les Anglais? Ils sont rentrés chez eux pour se réarmer, pour mieux préparer notre délivrance. Il reviendra, monsieur de Boucancan. Bien sûr, il reviendra. Avec beaucoup plus de bateaux et beaucoup plus de soldats. Madame, votre démarche m'étonne. Votre Majesté daigne m'excuser, mais je me contente de lui rapporter le désir du roi. Du roi ou du cardinal? C'est le cardinal qui m'a transmis pour en faire part à votre majesté. Le désir du roi. Je suis trop écartée des affaires de l'État pour qu'une démarche de ma part puisse entraîner une modification dans la politique du souverain anglais. Mon époux oublierait-il qu'il est le beau-frère de Charles Ier? Là où les rapports de famille s'avèrent impuissants, n'est-il pas légitime de recourir à une autre influence? Expliquez-vous. Le retour des Anglais devant La Rochelle ou leur renoncement dépendent moins du roi Charles Ier que de monsieur de Boucancan. Qu'ai-je à voir avec le duc? Dois-je rappeler à votre majesté que ses propres couleurs flottent sur le navire amiral de sa grâce? Mon Dieu, la victoire est entre les mains de votre majesté. Ah, tous ces mois d'inaction. Ils n'auront servi ni les Rochelais, ni notre gloire. Il fallait bien laisser à votre grâce le temps de réorganiser ces escadres. Je le sais bien. Mais j'ai tout de même été fort lent. Puisque votre grâce daigne parler de l'enfer, qu'il me soit permis de lui faire savoir que sa circonspection n'a pas manqué de surprendre. J'en ai moi-même été le premier surpris. Jamais je n'aurais cru qu'une femme pourrait exercer sur moi un tel empire. Mais j'ai compris aujourd'hui. J'ai compris qu'elle ne m'avait rien demandé de son propre chef. Tout cela n'est autre que le résultat de vulgaires intrigues. J'ai voulu lui complaire, alors qu'en réalité, elle n'espérait rien. Elle n'agissait que sous la menace de deux tyrans qui la poussaient. Le lugubre roi Louis et son effrayant cardinal. Eh bien, c'en est terminé. Votre grâce veut rattraper le temps perdu. Et je le rattraperai. Vous allez faire hisser la bannière de la reine Anne. Et ensuite, cap sur La Rochelle.
Pour interdire tout accès à la flotte anglaise et couper la Rochelle de la mer, voilà ce qui convient. La digue part d'ici, là, du lieu dit Oreille, et vous coupez jusqu'au Fort Louis. La distance, monsieur Métezo ? 700 à 750 toises, sire. Et il faudra établir une protection constante sur toute la longueur du chantier pour répondre au feu des Rochelais. Des soldats. Les soldats y travailleront. Et nous, le premier. Vous êtes certain que l'Anglais ne peut passer ? Si la tempête épargne la digue, il ne passera pas. Nous ne pouvons commander au flot. Il est vrai, mais nous pouvons les prendre de vitesse. Pour consolider la digue, coulez nos plus vieux bateaux entre les charpentes de bois et les blocs de pierre. Notre effectif est faible, sire. Qu'allez-vous dire ? Eh bien, doublez-le. Jack ! Bonne chasse. Nos boulangers sont habiles. On fait du pain avec ce qu'on a. On aime mieux le poisson. Il nous aide à durer. Mais tant que tiendra leur digue, les pêcheurs ne pourront pas sortir. Sale digue. Et priez, mes enfants. Il faut prier. Monsieur le pasteur, nous disposons d'un moyen d'épargner beaucoup de sang, tant celui des nôtres que celui de nos adversaires, et de mettre fin à la famine. Le siège tient à la volonté d'un seul homme. Qu'il disparaisse, et la guerre prendra fin. Nous avons des partisans assez habiles et assez résolu pour approcher le cardinal. Pouvons-nous, en conscience, accordons-nous le temps de la réflexion. Il me faut interroger le Seigneur, et je vous rendrai sa réponse. Cardinal, nous entendons qu'on vous obéisse comme à nous-mêmes. Sire, nous nous efforcerons, en dépit de votre absence... Vous avez notre confiance. Pour nous, nous devons regagner Paris. Les écus commencent à manquer. Et le produit de la vente de nos équipages est déjà dévoré par la solde. C'est à Paris que nous trouverons de l'argent. Les révoltés ne doivent pas distraire notre attention et notre cœur. Nos autres sujets comptent aussi. Il se donne bonne conscience. Jamais Henri III... Nous veillerons depuis Paris et nous reviendrons si cette malheureuse affaire se prolongeait. Messieurs, vous nous suivez. Nous ne cesserons de penser à vous. Sire. À bientôt. Personne royale, c'était un talisman. Êtes-vous sûr qu'un cardinal ait besoin d'un talisman ? Est-il bien temps de me faire la morale ? Monsieur le cardinal, reprenez-vous. Me reprendre. Et reprendre mes diamants vendus pour nourrir l'armée. Père Joseph. Monseigneur. Vous avez des relations, vous connaissez des usuriers. Vendez-la. Devront en tirer un bon prix. Ne remuez pas le couteau dans la plaie. La reine-mère vous en offrira une autre. À quoi bon tout cela ? Je donnerai tout, vous entendez, tout, pour reforger la France et pour assurer le bonheur et la sécurité des Français. Mais tout sacrifié pour affamer des fanatiques
êtes triste. Triste comme la grandeur. Il n'est rien de grand dans tout cela. Vous aimez pourtant l'odeur de la poudre. Pas en la circonstance. Les Rochelais sont des égarés que je préférerais convaincre que punir. Vous savez bien qu'il n'en est plus question. Deux jours durant, j'ai interrogé le Seigneur. Sa réponse est venue. Quels que soient les avantages qu'apporterait à la vraie foi et aux intérêts de notre cité la suppression envisagée, Dieu interdit qu'en dehors du combat régulier, il soit attenté au jour d'un homme, fût-ce le cardinal de Richelieu. Messieurs, voici le résultat de votre vote. Monsieur l'amiral Guiton est élu maire de La Rochelle. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour et pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Seigneur, que cette fervente prière monte jusqu'à toi pour que tu accordes à la droite du Père une place à tous ceux qui sont tombés dans ce juste combat. À tous ceux, vieillards, femmes et enfants, qui s'éveillent à la vie éternelle. Livre d'Isaïe, verset 613. Yahvé sans cesse te conduira, il te rassasira dans les lieux arides, il donnera la vigueur à tes os, et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source jaillissante dont les eaux ne tarissent pas. On reconstruira chez toi les ruines antiques. Tu relèveras les fondations des générations passées. Monsieur, mille grâces pour ce divertissement. Le deuxième abandon de Monsieur de Bouquincamp devant La Rochelle mérite bien quelques fusées. Non. Nous ne perdons point nos perles, mais nous entendons conserver nos villes. Si vous songez à les conserver, encore faudrait-il d'abord les prendre. Et si vous comptez pour cela sur ce cher monsieur le cardinal, il fait toujours la sieste. La sieste, cela n'a pas le sens commun. Le cardinal met tout en œuvre pour... Dolorosa, il met tout en œuvre. À la tête de l'armée du plus grand roi de la terre. Et pourtant, elle piétine devant les vieilles bombardes d'une pauvre poignée de pêcheurs de sardines. Vous ne connaissez point La Rochelle. Fallait-il que moi aussi j'y aille? Allons donc, mon fils. Il importait durant votre absence d'assurer la régence. Dois-je vous rappeler qu'elle a cessé avec mon retour? Consacrez-vous totalement à la gloire d'un fils? Ne défendez nul autre intérêt que le sien et vous essuierez des rebuffades. Le cardinal a dit... Laissez-la, le cardinal. Puisque vous avez à vous plaindre de nous, c'est bien. Nous vous laissons au plaisir de cette fête. Songez que nous en sommes arrivés là, ma fille. Parce que deux fous alliés ont pris trop d'ascendance sur leur maître. Le Bouquincamp sur Charles Ier d'Angleterre et le cardinal sur mon fils. Ma mère, l'élévation de Monsieur de Richelieu n'est-elle pas votre œuvre? Oui, foi, en effet. C'est servi de moi comme ce monsieur de Bouquincamp a voulu se servir de vous. Il n'a jamais aimé la femme. Il s'est empressé auprès de la reine. Mais Monsieur de Bouquincamp, oh, lui, ne... Bouquincamp, c'est bien pire encore. Lui, il vient d'encore plus bas que M. de Richelieu. Il se moque bien de vous, de vos beaux yeux, poverine. Et votre couronne qu'il regarde. Pourtant, il émet tant de flammes. Et il conserve un cœur de glace. Oui, je sais, belle Lucie. La vérité est pénible, sans doute. Mais toutes ces paroles ne visent qu'une seule chose, se grandir en affectant la plus folle des passions. Et rien d'autre. Monsieur de Bouquincamp, mort assassiné.
Voilà qui vient à propos. C'était un si grand homme que je regrette presque de l'avoir battu. Je satisferai bien une pointe de soif en buvant à la grande ombre de sa grâce. Monsieur le cardinal, toquerez-vous là? Si vous voulez. Vous le détestiez? Non. Plutôt, vous détestiez son inconscience? Oui. Il renversait vos pions sur l'échiquier du monde? Peut-être. Mais l'utilité de sa disparition n'en compense pas l'horreur. Colosse présentait toutes les prérogatives de la fortune. Tomber sous le couteau d'un traître, ce Felton. Cet ignoble puritain à l'instant de remettre à la voile, de recommencer l'aventure. C'est à nous qu'elle eût encore coûté cher. Il n'importe. La chute et la mort d'un favori, ce sera toujours un accident digne de larmes. Cela montre à l'évidence la vanité de la grandeur. Éminence. Qu'est-ce encore ? C'est bien. Allons. J'ai tout dit. Autonomie de la ville, maintien de ses franchises, liberté du commerce, et M. Guiton lui-même accepte de vous ouvrir nos portes. Pas d'autonomie. Pour le reste, on peut en débattre. Si j'ai pu secrètement sortir de la ville, vous comprendrez qu'il m'est impossible d'y entrer. Cela nuirait trop au moral de vos gens. C'est pourquoi je vous demande de faire envoyer un tambour au rempart. Les chefs de nos batteries sont prévenus. Et le maire saura qu'il peut vous adresser nos propositions. Qu'est-ce que c'est que ce couillon ? Il nous nargue avec son tambour ! Malheureux ! Pourquoi malheureux ? Pour rien. Admirable malentendu. Il nous sauve. Nous risquions de nous prêter à quelques compromis alors qu'à notre insu, la flotte anglaise venait à notre secours. La flotte de Lord Lindsay. Elle est là, oui ou non ? Oui. C'est un grand mot et ce n'est rien. Les équipages puisqu'à demi mutinés, les vaisseaux pourris. Elle est là ! Mais c'est un rêve qui est là, une illumination d'affamé. Si tous nos amis conseillers étaient encore de ce monde, ils vous diraient... Ils me diraient que Dieu est grand et que rien ne compte hors son service. Pour son service, il faut vivre. Il ne reste qu'un reflet, cela suffit pour tenir les portes fermées. Et vous revendiquez cet honneur ? Pas même. Je suis prêt à tirer au sort avec n'importe qui pour savoir lequel des deux mangera l'autre. Pardon, monsieur le pasteur. C'est la première fois que je ne sais pas. C'est comme un voile noir qui me descend sur la tête. Jacques, mon enfant, moi aussi, j'ai peur de ne plus savoir ce que disait Maître Calvin. Vous, monsieur le pasteur? Et toi, tu te souviens? Je vous demande pardon, monsieur le pasteur. Maître Calvin... Maître Calvin déclara... Mes enfants. Mes pauvres petits enfants. Je ne sais pour quelle raison nous perdons un peu la mémoire. C'est la première fois que je ne sais pas. Moi aussi. Ce n'est pas grave. Pas grave du tout. Le principal, c'est de se souvenir de la prière essentielle. Notre Père. Qui êtes aux cieux, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Sire, j'ai l'honneur de remettre entre vos mains la capitulation sans condition de votre bonne ville de La Rochelle. Les Rochelais se sont insurgés. Ils ont admis une présence étrangère,
ils se sont séparés de cette France qui aurait dû demeurer leur mère, puisqu'elle leur avait tout appris, et même la signification du mot dignité. Le roi est un peu rude. Le cardinal n'a pas dit son dernier mot. Demain, sire, vos armées victorieuses pénétreront dans la cité conquise. Et rien ne pourra, sous peine de sacrilège, arrêter votre bras vainqueur. Rien. Sinon vous. Sinon votre sagesse, fille de modération. Vous vous rappellerez que les Rochelais, en cette lutte fratricide, n'ont cessé de se proclamer sujet du roi de France. Vous donnerez votre saint nom. Que la Rochelle accepte l'exercice de la vraie foi. Qu'elle perde l'autonomie tant civile que militaire que lui conférait le traité de Montpellier. Voilà, sire, ce qui suffit à votre gloire. Que tous les boulangers de l'armée travaillent nuit et jour. Dès l'instant que nous pénétrerons dans la ville, nous ne voulons plus y voir qu'hommes, femmes et enfants rassasiés. Nous ne voulons plus y voir que de bons sujets. Les cloches sonnaient, les églises rendues au culte avaient été purifiées dès la veille. Chacun avait retrouvé du pain. Guiton voulut venir entouré de sa garde pour saluer votre oncle, mais notre chère éminence lui signifia qu'il n'existait plus dans La Rochelle d'autres forces armées que celles du roi. Il ne me racontait rien. Non, son esprit a déjà quitté La Rochelle pour embrasser l'univers. Et Guiton ? Il l'a fait conduire en prison, ainsi que la douairière de Rouen. Pour longtemps ? Le temps que cette crise s'apaise, c'est tout. Ah, monsieur le cardinal, nous en aurons donné des coups d'estoc et de taille. Nous ne serons pas simplement dépensés, mais c'est votre triomphe. Quel triomphe ? Ce n'est pas La Rochelle que nous avons vaincue, c'est Londres. Ici, le Parlement et nombre de grands du royaume sont à genoux. Là-bas, ces messieurs des lords et des communes l'ont emporté contre l'autorité royale. Et c'est là, croyez-le, la vraie défaite d'histoire. Là-bas, le roi règne. Ici, il gouverne. La Rochelle a tout changé. Je comprends mieux pourquoi, après votre départ, les Anglais sont encore revenus. Ils ont vainement attaqué la digue. J'ai fait donner le canon, ils s'en sont allés. Mille compliments, monsieur le cardinal. L'Angleterre a cessé de compter. Les billets de ma mère. Les lettres folles de monsieur de Bouquincamp. Les correspondances de l'amiral Guiton. Oublierons-nous les caprices de la mer. Nous l'avons connue bien méchante. Pas si méchante que cela. C'est seulement lorsque les armes de votre majesté eurent triomphé, que l'anglais fut chassé et La Rochelle rendue, qu'elle se déchaîna et rompit la digue. Celle-ci s'écrasa à l'instant qu'aucune force au monde ne demeurait pour la menacer.